pilote surtout, pour nous aussi finalement. Merci Catherine. On sent Flavio Briatore peut-être un petit peu plus tendu que d'habitude. Jean Ragnotti est également ici haut avec une très très belle cravate. Tout le monde est là, Jean Ragnotti, l'ancien pilote de rallye qui continue d'ailleurs à conduire. Je voudrais que l'on s'intéresse à l'aérodynamique de la Renault car c'est un secteur extrêmement important, pour ne pas dire capital de la réussite ici sur ce circuit en ville à Monaco. C'est la 3D avec Jean-Louis Moncey. À Monaco, les voitures demandent l'appui aérodynamique le plus important de toute la saison. Sur la Renault, le flux d'air appuie à l'avant sur le profil principal et sur le profil supérieur, ici en rouge. Guidé au centimètre près par des déflecteurs, ce même flux touche tous les appendices, tous les points d'appui supplémentaires ajoutés à la carrosserie. Les mini-ailerons, les ailettes principales et les ailettes secondaires, autant d'éléments qui contribuent à plaquer la voiture au sol. Enfin, le flux d'air joue un rôle essentiel sur l'aileron arrière qui, à Monaco, comporte la cornière la plus élevée, en rouge, 1,5 cm au-dessus du bord de fuite initial. Voilà qui accroît dans les limites maximales du règlement la pression sur la voiture. Alors d'ici quelques instants, nous serons avec la championne olympique du 400 mètres. C'était, souvenez-vous, à Athènes, un grand, grand moment de sport, Laure Manaudou. Mais d'abord, Catherine, avec le patron de l'écurie McLaren et Kimi Raikkonen en pole position, Ron Dennis. Trois pole positions d'affilée, une victoire. On doit faire vraiment de notre mieux. On a vraiment une bonne position pour l'instant. Mais à part le départ, on a vraiment besoin de la fiabilité. J'ai aucun doute que Kimi a le rythme pour gagner. D'habitude, Monaco, c'est vraiment très difficile. Mais il faut pas forcément. On n'est pas forcément sur le podium quand on part en pole, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais on a déjà gagné la pole position depuis la pole avant, donc je ne suis pas superstitieux là-dessus. Mais j'espère que ça va bien se passer. Merci beaucoup à Aaron Dennis. Et on écoutera dans quelques instants Kimi Raikkonen qui s'est confié pour Automoto et qui nous parlait notamment, il y a deux jours de cela, de cette envie qu'il a de gagner ici à Monaco. Mais d'abord, on retrouve Laure Manaudou. On était avec Zinedine Zidane, avec Richard Virenque. Décidément, les sportifs français aiment venir à Monaco pour assister à ce Grand Prix. Bah c'est vrai que c'est quand même impressionnant et on n'a pas tout le temps l'occasion de venir ici. C'est vrai que c'est le plus beau Grand Prix, donc c'est vraiment exceptionnel. Et qu'est-ce que ça vous inspire? On peut faire une comparaison entre ce qui se passe en Formule 1 et dans un bassin? Bah, c'est pas du tout la même chose. Déjà, il y a plus de monde et je pense qu'il y a plus de pression, donc c'est pas du tout la même chose. Alors, on revient avec vous dans quelques instants, parce que vous le voyez peut-être, vous avez tous les pilotes qui se sont mis au niveau du pavillon d'honneur réservé à la famille princière monégasque. Vous le savez, régné est décédé le 6 avril dernier et en hommage au prince qui a adoré la Formule 1, qui a fait beaucoup pour la Formule 1, alors que Dave Coulthard est en train de rejoindre les autres pilotes sur cette estrade, eh bien une minute de silence va être respectée à la mémoire du prince Régnier. Un moment de grande émotion car beaucoup de pilotes vivent ici à Monaco, beaucoup de pilotes apprécient tout ce qui se passe ici dans la principauté. Et juste avant peut-être d'assister à cette minute de silence très émouvante, je vous propose d'écouter Kimi Raikkonen qui répondait à nos questions. C'était vendredi soir. Spain, of course, is a special place, so it would be nice to win. Difficult circuit. C'était sympa ici. C'était un bon endroit pour gagner. Donc, il faut vraiment faire très attention. Mais on n'a pas beaucoup de choix ici. C'est un gros challenge pour tout le monde. Voilà, donc on écoutait Kimi Raikkonen. On est en train d'attendre, bien entendu, cette minute de silence. Vous observez les pilotes. On voit Fernando Alonso, notamment, très concentré, avec également Giancarlo Fisichella, alors que le prince Albert est en train de saluer Bernier Ecclestone. À sa droite, nous avons également Max Mosley. Nous avons le prince de Hanovre aussi, Caroline de Monaco, qui est juste à ses côtés. La famille princière, donc, extrêmement émouvante. Nous allons donc maintenant, à la demande du speaker de ce Grand Prix, une minute de silence à la mémoire du prince Régnier III, décédé le 6 avril.
Voilà, merci donc pour cette minute de silence vraiment respectée de manière très solennelle, très intense ici. Et nous allons, avant de retrouver nos commentateurs, retrouver Jean-Louis Mancet. Jean-Louis, essayez de nous expliquer pourquoi, depuis trois Grands Prix, même si à Imola, un problème de fiabilité a contrecarré les objectifs de McLaren, pourquoi McLaren est au-dessus du lot aujourd'hui en matière de Formule 1 et de performance? Eh bien parce que McLaren Mercedes a préparé la voiture la plus agressive, la plus pointue possible, car c'est leur dernière chance de bien figurer au championnat du monde. A l'inverse de cela, Renault a préparé une voiture plus compacte, plus légère, plus homogène, peut-être un peu moins performante. Mais je vais vous dire également, Denis, ce qui est important, c'est les deux pilotes. Ari Raikkonen, extrêmement agressif lui aussi, et eh bien Alonso commence déjà lui à penser au titre mondial. La piscine sera le passage clé. Il y a 11 km d'écart entre les deux pilotes. Merci Jean-Louis Mancet. Alors, Kimi Raikkonen ou Fernando Alonso, Christophe Malbranque et Jacques Lafitte? Force est de constater qu'avec le tour de qualif qu'il a fait, Raikkonen est plutôt tranquille en ce qui concerne la vitesse pure, mais c'est vrai que la deuxième qualification, il a été très très fort, Fernando Alonso. Oui, moi je crois que la voiture de la Renault est beaucoup plus fiable et beaucoup plus facile à conduire que la McLaren. Merci beaucoup Christophe et Jacques, on vous retrouve d'ici quelques minutes pour vivre en direct et en intégralité ce Grand Prix passionnant à Monaco. Et ben nous on a passé un F1 à la une absolument magnifique, n'est-ce pas Catherine? Maintenant on va vibrer, rarement on a pris le départ d'un Grand Prix aussi indécis. C'est tout à fait vrai, j'ai rarement vu autant de monde, je me suis absolument régalée, j'espère que vous allez vous régaler aussi, très bonne course à vous. Vous étiez dans les coulisses avec F1 à la une, vous êtes maintenant sur la piste avec la course. C'est juste après la pub. Salut à tous!